Le quatrième chantier porte sur l'adaptation de l'organisation judiciaire. Je sais que ce chantier est extrêmement sensible pour nos territoires, pour les avocats et pour les agents du ministère. L'adaptation du réseau de nos juridictions est pourtant une conséquence inéluctable des réformes précédentes. La simplification et la numérisation des procédures ne peuvent rester sans incidence sur nos modes de fonctionnement et sur notre organisation. Les nouvelles perspectives numériques que je viens de tracer devant vous vont changer le rapport des justiciables à la justice, mais aussi notre mode de fonctionnement en réseau. Penser le statu quo serait donc une erreur, voire une faute. Penser en termes de dynamique sera au contraire un atout. Des pistes ont déjà été développées dans plusieurs rapports, dont le récent rapport de la mission d'information sénatoriale sur le redressement de la justice. Je n'en ignore rien, mais je souhaite que cette question soit travaillée avec un regard neuf et qu'elle soit fondée sur une véritable concertation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à deux anciens présidents de la Commission des lois de l'Assemblée nationale de mener une mission de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, professionnels du droit, magistrats et fonctionnaires, parlementaires et élus locaux, sur les principes qui pourraient sous-tendre notre organisation judiciaire. Ils me proposeront différentes options pour l'organisation de la justice de demain. J'attends d'eux, dans un premier temps, qu'ils définissent les principes directeurs de cette adaptation. Je pense, par exemple, aux principes de clarté et de lisibilité de notre organisation aujourd'hui trop complexe. Je pense aussi aux principes de proximité avec les justiciables. Dans tous les cas de figure, le numérique ne fait pas tout et il doit exister dans chaque lieu de justice un service d'accueil pour permettre à ceux qui n'ont pas accès à Internet d'être guidés pour introduire une action en justice et d'être informés sur l'avancement de leur dossier. Il faudra sans doute également, j'enlève le sans doute, il faudra également continuer à garder en proximité les contentieux du quotidien, surendettement, expulsion, saisie-arrêt, tutelle, contentieux de l'autorité parentale, certains contentieux correctionnels. Certains de ces contentieux sont aujourd'hui traités dans des TGI qui peuvent géographiquement être éloignés. L'adaptation du réseau doit permettre de rapprocher le traitement de ces contentieux des justiciables dans des tribunaux de proximité. Je pense au principe de spécialité. Le droit se complexifie, les métiers du droit s'y adaptent, et notamment les avocats, mais les autres professionnels du droit. Nos juridictions ne peuvent rester en dehors de cette voie. Je pense encore au principe de collégialité dans le travail des magistrats, qui pour certains contentieux contribuent forcément à une justice de qualité. Je pense enfin au principe de cohérence du travail de l'État. Nous devons aussi tenir compte de l'organisation territoriale des autres services de l'État, notamment en matière pénale. La justice se situe au cœur de l'État, pas à côté. Elle travaille dans les territoires avec les autres services de l'État et ceux des collectivités territoriales compétents pour la définition et la mise en place de politiques publiques concertées et coordonnées dans de nombreux domaines et par exemple en matière de protection des mineurs en danger. Notre réseau doit être adapté à cette nouvelle organisation territoriale de la République pour répondre au plus près des besoins des justiciables pour des raisons d'efficacité du service public de la justice. Voilà quelques principes dont ce chantier vérifiera la pertinence. Mais d'autres principes pourront sans doute être mis à jour pour guider nos réflexions. Dans un deuxième temps, j'attends également de ce chantier qu'une fois définis ces principes, on en mesure la plus-value pour les citoyens, les justiciables, les professionnels du droit et les territoires. Je demande enfin que puisse être envisagée dans le temps la traduction de ces principes sur les différents territoires. Je veux à cet égard indiquer que cette réforme doit se faire en conservant le maillage actuel de nos juridictions et en maintenant les implantations judiciaires actuelles.
Je veux donc confirmer que ces adaptations ne se traduiront par la fermeture d'aucun lieu de justice. J'ai lu dans les journaux que je disposerais d'une carte judiciaire déjà toute tracée. Je ne sais pas si ce sont des fake news ou des cartes venues d'un temps désormais trop ancien. Mais en tout cas, en tant qu'autorité politique, aujourd'hui en responsabilité à la tête de ce ministère, je puis affirmer que je ne m'appuierai sur aucune carte préétablie. Mon projet ne sera pas fondé sur un quelconque schéma arrêté de manière autoritaire et technocratique. L'adaptation de notre réseau ne résultera que de la concertation aujourd'hui engagée. Une réflexion est lancée, j'en attendrai les conclusions avant de considérer les évolutions qu'elle proposera, mais qui sont indispensables. Je souhaite donc vous conduire vers de nécessaires adaptations dont nous définirons ensemble les contours.